ko rétablir Kimia dans la partie est ya République démocratique du Congo. Vital Kamerhe azali ko exiger te un dialogue franc topé bo solo la niya solo entre République démocratique du Congo, le Rwanda et l'Ouganda. Il faut faire très attention à Vital Kamerhe. Le deuxième plan qui est venu, mais qu'on n'a jamais vu, un accord qui a été signé entre le président Kabila et le président Kagame. Est-ce que vous pour outrepasser tous les volets. Ce n'est pas sérieux ce que vous dites, monsieur Kamerhe. Si vous aviez un plan pour pacifier l'Est du Congo ou l'ensemble du pays, et l'Est du Congo, c'est toujours là où il y a l'instabilité dans votre pays, c'est parce qu'il y a eu un autre plan entre Kabila et Kagame. Justement signé le 23 août 2008. Tonyo soo bazali ko comploter pour la balkanisation ya mboka na biso. Défenseur ya batuti power na Congo. Tawa na esi eleki. Il en a eu toujours. Présidentiel. Il a des ambitions présidentielles. Vital Kamerhe a des ambitions présidentielles. Il va divorcer et avec... ça ne l'a jamais quitté. Il va divorcer. Bolam Kalapongi. Est-ce à l'accord na bango ou pas Kamerhe aux à la président en bourg en la bisoté aux à la thé. Les gens qui donnaient Kamerhe pour mort, c'est des gens qui ont insulté, c'est des gens qui estimaient que arrêter Kamerhe, parce que l'histoire a été relatée finalement, comment ces jeux-là ont été joués, comment on a accueilli Kamerhe et on l'a jeté en prison. Les complices ont été dévoilés, l'heure nous en sortirons. Nous allons écrire l'histoire. Vous pensez que Bisson de Tofa na banda kuna biso boeto ta la bino na banzala na biso. Tu as rôti ka bino. Kamerhe, je parle de l'UNC. Non mais c'est lui l'UNC. Non ! Déjà tu sais que le pouvoir a recruté dans l'UNC. Accord na bino na la monde ba journaliste ba zo le kana ba étandoke pour dire ba respecter accord ba sala be bokosi Kamerhe président de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans un pays où té na moyi mwalelo to tambolaka na ba permis de conduire oyo esi expira na chef de l'État. Juisseur, incompétent, voyageur, touriste, mensonge sur mensonge. Il a quitté la prison sur sur base de la grâce présidentielle. Allez-y, posez la question. Qui était derrière? Qui était derrière? Allez-y. Et vous avez vu celui-là qui était derrière un jour quand... Il a menti. Il a dit, aussi longtemps qu'il ne ramènera pas la paix dans l'Est de la République, il va considérer son mandat comme un échec. Mais aujourd'hui, on lui pose la question, il dit qu'il va se représenter. Quand on le pose, il dit, son bilan est positif. Il parle de la gratuité de l'enseignement, un échec patent. Il parle de la gratuité de la santé, un échec patent. Mais il oublie qu'il avait dit, aussi longtemps qu'il ne ramènera pas la paix dans l'Est de la République, c'est un échec. Au lieu de dire maintenant que j'ai échoué, il dit non, mon bilan est positif. Un menteur. En question, Onazo Kapasi. Pour acheter les palissades aux députés, Wana Mbongo est disponible pour améliorer seulement la vie et salaire de nos soldats. Pour dire que c'était normal qu'un détourneur juisse bénéficie de la grâce présidentielle. Donc c'est ça. Réaco News à vous informer, c'est notre devoir. Réaco News, la chaîne qui vous informe à temps réel. La voix de Tatiana lutte contre l'inversion de valeurs, l'intelligence au service de la nation. On appelle Sibino Mbote Bandego Balandi. Yariako, bienvenue dans l'éducation politique. Oto Zongi Penza, vite fait, Oso, Lanabino, par rapport à Maï Mazali Koleka, Nambo, Cannabis, République démocratique du Congo. Qui Mote ma passi, Pesomo, Namambi Maï. Mazali kolobama kasi to salani ni biso tozali beba pandisango o toko ya pote to lobabo solo na esika mai mazali mai nyali mai ya pote to tia pole na likambulango pona ko rétablir Kimia dans la partie est ya République démocratique du Congo. Vital Kamerhe azali ko exiger te esengeli
dialogue moko ya bosolo tope bosolo lani donc un dialogue franc tope bosolo lani ya solo entre République démocratique du Congo, le Rwanda et l'Ouganda. Na lettre moko ezalaki ya kofunga matope, lettre ouverte o ezalaki signée par son service de communication. Dialogue, une formule défendue ces dernières semaines par le régime de Kagame, Toyoka Kiango. Ndeko moko alobi boye, Kamere en lui seul, c'est un grand danger. Kagame, Kamere, pardon, naye moko, azali danger makasi pour la République démocratique du Congo. Na niveau oyo mboka na biso na niveau oyo situation ya mai ekomi na mboka na biso nous sommes arrivés après ba année ebele oyo ba dialogue tope bosololani et memi na mboka na biso na Rwanda. Normalement maman Tatiana likambo wana ya mo bosololani tope dialogue esengela ki te ezala bani na ba dictionnaire na biso. Po esali kanda koyoka maewa na mazali kolobama bande ko balandi ya République démocratique du Congo bande walandi ya Riako. Tozo kende lentement et sûrement Nzambe akolakisa biso bato nyonso o bazali ko comploter po na balkanisation ya mboka na biso. Je me suis toujours demandé na nini oye ko sala ke biso na bayi Rwanda to dialogue. Demboka wana to komi na niveau moko o Rwanda il faut comprendre que République démocratique du Congo ezali mboka moko oyo epambola mabango esengeli ba pesa biso respect. Pona nini na tango oyo ya tata Mobutu makambo ko sala malelo oyo ezaki ko sala mayango te. Botali bien bandeko boza na pouvoir bandeko boza na opposition bo boza na résistance, il faut faire très attention na Vital Kamerhe. Je vis aussi des journalistes défendre Vital Kamerhe na ki moté ma passe mais ça ba point de vue na bango o eza point de vue na ngai ya bino maman Tatiana. Kamerhe na ye moko aebi ke force na ye pote azongela ba plan na ye ya mabe ezalaka wapi ezalaka be na nzela ya ba dialogue esika o ye ako beneficier na ba poste pona likambo ya dialogue. Na dialogue wana eko apporter nini totu na pe ba ancien dialogue o ye salema na mboka na biso e memina nu nini. On en a assez bandeko balandi avec vos fameux dialogues ba ebozali ko kamba biso. Kamere tika mitu e ko chauffe tozo ka dja mite ma pasi sur l'affaire ya Bounagana tozo ka pasi bandeko na biso nde bazo bomana na kwa muntu. Tozo kapasi mboka na biso ba détournement déjà tant aux aralibanda na yo kapasi parce que ba faire s'occuper makambo ya ba 100 jours mon solo oyo ebima telelo to mona eloko mon côté ba tiela biso théâtre tata moko alobaka nyonso eza théâtre été. Mais nous avons remarqué une chose na mboka na biso nyonso eza théâtre. Lelo prison centrale ya Makala vide. Ezo tonda na ka wana na ba résistant na ba opposant oza contre makambo eza ko lekana. Makambo ezo lekana Bounagana e osa biso deja pasi na kwa muntu bandeko na biso baza ko bomana. Voilà, parmi makambo e bali pe ko loba, ndeko moko alobi maman Tatiana, Kamerhe a proposé mais a exigé te. Voilà une preuve bandeko balandi. Ya flagrante nde bandeko basusu balobi na likambo ya infiltration na grande échelle. Il est non seulement naïf pour na makambo ya ba dialogue Vital Kamerhe. Na likambo na ye na ba Rwanda na ye. Mais également ce qui to tali penza malamu na linko lobate po maloko ekotonda. Vous pensez que biso nde to vaina banda kuna biso boeto tala bino na banzala na biso
Tu as rôti Kabino. Bolié na Kabila, Botiki Kabila, Boye pa président Félix. C'est ça. Bisosko to eto vandara to kanga maboko boye ba classe en mwandambo na ba batangi ya moye belé wana. Ba vanda ba ota la biso parce que biso la mboka la biso to ya rôti kaka batu moko boye songolo pakala. Veka nous déçoit à maman Tatiana, ça qu'on décevoir biso mingi oui. Parce que ce qui totali malamu bamboka wa anami balé, ezali na bakona ya désolation pe ya terreur sans parler na makambo ya ba pillage systématique en complicité avec les occidentaux. Wana to bosa na kayango te et aujourd'hui Vita Kamerhe revient tranquillement pour te aya à proposer biso dialogue comme si le Congo voudrait que Kabola ma belle naie na ba criminel wana mawe mawa o esengeli kakate makila ya Congo nde ganga pote otala olobate ngai ndenge na zaboe na zamo yi Congo mani mai mazali koleka na leloyo esengeli na biso banso totala yango bandeko balandi ya Riaco News ba proposition oyo ezala kakaka primitive quelqu'un qui aime trop makambu ya mbongo azalaka toujours prêt ya ko négocier na mutu nyonso oya ko liboso na ye ata liboso na ye tango azota la peke ba oboma bandeko na ye tellement linga mbongo azana ngo malinga kwa malinga koma na ngo lisusu aoya ara na fami po ebisa binote to lukaka kimia to sala boy na sima na ngo ana ba plan b na ye oya zolinga abeba oya zolinga abeta o ba accord na binona na moni ba journaliste ba zoleka na ba etandoke pour dire ba respecter accord ba sala boy boko si kamere président de la république démocratique du congo bola mkana pongi ko pardon bola mkana pongi Eza la accord na bango ou pas Kamerhe oza la président na mboka na biso te oza la te pour luka makambu te bato wana biso to négocier na Uganda to négocier na ba Rwanda boko tuna nga to tuna tata mokami mwa ekolo président Félix Antoine Tshilombo boko eba guerre eye ba yaka ko bunda na mabele epai na biso Mon solo wa ana esengela kate ba futa biso wapi yango. Honte à vous. O vandi o boso bo etando. O vandi po oya ko défendre mabe ko mamalamu malamu eko mamabete. Toza esu na ngonga wa anate. Kongole nyonso asi afongoli miso. Bokanza te ete bango ba vandi balobaka te. Na ebisi bino lokwa ba vandi te ba komona tete. On n'a pas encore oublié maman Tatiana. Mitu ya bangombe oyo ekenda ki kozala offert na kati ya cadeau ya mariage ya mwana ya mwasi ya James Kabarebe. Pensez-vous que nous avons oublié? Tobo sanité. Kamerhe n'a aucun conseil à donner na bato oyo. Tozali kolandaye na bato oyo bazali ba congolais o bazali averti bozani loko boko sa ba congolais te parce que nous connaissons déjà son jeu toyebi après le dialogue et kozala lisusu na ba accord actuellement dialogué avec ces deux pays ils ont déjà makambo ebele plusieurs congolais c'est un faux débat aussi ce qui tobi peut to vendre la totale eza eza faux débat la guerre contre le Rwanda est ikali meilleure solution pona ndenge ndeko na biso a komi George Kalombo alobi pona ye makambo wana toyoka ka yango pe pa ya premier Adolphe Mozito Maman Tatiana anga ipende na zabo e nazali ya UDPS mena sepe la rakolanda yo, merci. Nous sommes prêts avec notre président Félix Antoine Tshilombo pour combattre le Rwanda, selon Deko Yango Rams Ramazani. Ces soi-disant dialogues, Maman Tatiana,
ezozala kaka po teto cede mwa ndambo ya mabele ya mboka na biso. Non, la RDC esengeli na biso to imposer respect. Le temps est révolu, monsieur Kamere. So ki botali malamu akende ki ko négocier na ba diable pote o senga un état souverain comme la République démocratique du Congo de négocier avec un petit état loko la Rwanda na situation oyo bandeko bazali ko survivre mokolo ya lelo. La République démocratique du Congo doit prendre des dispositions nécessaires pour défendre son intégrité yango eloro mususu te toya na etando ekete maman Tatiana moi eloko awa na reako news toya pour dénoncer tokati déjà Kamere soit clair. Nous connaissons bien que Ezali na yango makam na yo osala ka c'est grâce à toi que le Congo a jamais ndeko. Oh message a na ke na kutu musika te. Jamais. Papa Honoré Mbanda pe a son âme azara koloba mamba ba défenseur ya ba touchi power na Congo. Tant wana esi eleki. Esi eleki. Soki Vital Kamere ndeko oza na makanisi ya balkanisation ya mboka na biso, le peuple congolais a ko aidé bay bazali ko kamba pote to kangela yo nzela. D'ailleurs le congolais a ko luka esika nini atako balobi mama Tatiana e mangamanga ba 21,000 o romona bato bazo kenda po te ba kenda ko bunda monsolo penze ko zalate soki obio sala boye monsolo e ko mona na te, n'est-ce pas? Nous avons suivi le président élu Martin Fayulu na Canada a pesi mbela, n'est-ce pas Jojo? Toza na image yango awa alobeli mbela wana sur mae mazali kolekana na mboka na biso po na bato balobaka makamba banya Rwanda banya Mulenge balobaka boy batuna ki ye motuna pe apesi e ya no clair yango nde tozalaki kozela yango nde kongole nyonso esika tokomi tolingaki toyoka yango matondo. Yangonde kongole nyonso ako vanda boya kota la te e bakota lo opposition ya pete boy. Opposition ya pete. Atuita ki akaka makamba 21,000 okomona bato ndenge bayaki koningana. J'ai suivi une vidéo ya honorable Mike Mukibai bayamba ki e pa ya Peter Tiani. Azako expliquer par rapport ya Mosolo oyo ya ba député Mosolo oyo ya ba député te Mosolo e bimaki po ba bongisa esika ya fulu salité moko ezali ba milioni ya ba dollars te bato ba kokamba biso baza penza na mitema na kotuna mosusa ya mawa e longwa to pe boni. Bolanda vidéo oyo vous allez comprendre esika nini oyo to wuti esika nini toza na esika ni oto zokinda. Jojo Komingo osangiseli biso na vidéo ya Perro Luara oyo azali ko expliquer selon ye. Bolanda binomei, on se retrouve juste après. Vous pouvez aller vous renseigner pour comprendre comment avoir des preuves, hein? Comment Roger, mon cher ami, j'ai cité personne, mais je pose la question qui a commencé. Je n'ai rien contre Roger Tsingy, qui ne m'envahit pas. Je suis dans le cadre d'une restitution. Oui. La libération de Roger Tsingy. Il a quitté la prison sur base de la grâce présidentielle. Allez-y, posez la question. Qui était derrière? Qui était derrière? Allez-y. Et vous avez vu celui-là qui était derrière un jour, quand c'est arrivé le tour de Willy Bakomba, défendre la libération de Bakomba dans ce tweet. Pour dire que c'était normal qu'un détourneur juif bénéficie de la grâce présidentielle. Donc c'est ça, ça. Celui-là même. Et dans l'entretemps, celui-là même, il est député provincial de Kinshasa, avocat conseil
du gouverneur en personne, avocat conseil de la ville de Kinshasa en tant qu'institution, avocat conseil de la DJK qu'il est supposé contrôler, de la ville qu'il est supposé contrôler, du gouverneur. Authentique. Mais ouais, posez-lui la question. Ouais. Nous terminons. Je fréquente les grands avocats de cette ville et je ne peux pas le citer ici. Nous terminons cette émission, je te prends à la main. Ils vont vous dire, quand ils se sont retrouvés ou du même côté ou opposés au baron sur les affaires de la ville avec Peter Kazadi. Les archives existent, elles sont là. Mais est-ce que c'est interdit que comme il est député, il incompatible. Il peut pas être avocat. Incompatible. Mais comment le contrôleur va devenir l'avocat? Donc, délit d'initié, conflit d'intérêt. Donc, tu as les informations ici qu'on va contrôler et tu vas protéger là-bas. La DJK, c'est une régie. Elle est sous contrôle de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Mais quand d'un côté, tu es député provincial de Kinshasa, de l'autre, tu es avocat conseil de la DJK, mon Dieu, dis-moi, comment tu vas te départager quand même avec mesure de lui, parce qu'il a dit que faites attention à Katumbi, il y a des dossiers qui peuvent toujours à tout moment. Les dossiers, attendez. Oui, hein. Attendez. Vous avez un dossier attendez. Dossier Beveradi qui revient. Attendez. Donc ils ont plusieurs cartes. J'ai eu la chance de fréquenter Katumbi dans le plus dur moment. Il faut un peu de contrôle. Pardon, j'ai eu la chance. Ils ont le pouvoir. Pardon, j'ai eu la chance de fréquenter Katumbi dans le plus dur moment de la vie, notamment quand il comparaissait devant le parquet général à Lubumbashi. J'ai compris sa détermination. S'il fallait qu'il transige, qu'il recule, il aurait dû le faire face à Kabila. Kabila avait fait des promesses, des menaces encore plus graves. Mais il a tenu et il a préféré l'exil et il est revenu un jour. Ils ne vous diront jamais, c'est moins de 6 km, ils vous diront toujours, cette route traverse 6 communes. Mais pour moins de 6 km, on a pris 4 ans. Et le chantier n'est pas encore terminé. Alors, monsieur, quand est-ce que vous allez construire 10, 20, 30, 40 km? Et pendant que c'est pareil, le long des Calamous, pareil, cette menace permanente, mais déjà cette vie de proximité, je ne peux pas dire si c'est de proximité ou quoi, je cherche le mot, je ne le trouve pas, mais vous avez un document officiel ici, où vous allez voir les Calamous ici du côté de Matongé. Calamous du côté de Matongé, à partir du boulevard Saint-Louis, l'église de Sonika Futa, jusqu'à l'école de navigation. Calamou longe le stade Tata Raphaël. Oui. Et qu'il y a deux ans, quelque temps, il y a eu des travaux d'aménagement, oui. Un peu de pelouse plantée, oui. Embellissement, plantes ainsi de suite, quelques œuvres d'art. Tous ces travaux ont coûté 8 millions de dollars. Chiffre officiel. Mike, pardon. Au jour d'aujourd'hui, cette pelouse. Chez Sony, là, chiffre officiel. Jusqu'à l'école de navigation. Chiffre là, officiel. Pour le prince Victoire. C'est un document du ministre provincial des Finances. Chiffre officiel. C'est là. Embellissement de Kalamukura. Voilà. 8 millions de dollars. 8 millions. Document officiel, je l'ai là. Les chiffres. Là, 8 millions de dollars. Voyez-vous. Donc voilà. Ok. Ijef. Voici le document. Je vais vous en. Donne-moi ça, Mike. Alors, je voulais en même temps, puisque tu évoquais Jeff, d'abord dire chapeau bas à l'interception de plus de 2 millions de dollars. De l'électrification. Je me suis toujours dit que c'était la bonne stratégie d'un contrôle en amont plutôt qu'en aval avec la patrouille financière. Bravo, donc ça a produit des résultats. Mais maintenant, une demande à Jules Alinghetti. Alinghetti, je l'ai lu fait ici sur ton plateau, c'est que Kinshasa connaît un sérieux problème. Lequel? C'est d'assurer le recouvrement de ses principaux impôts, l'impôt foncier et l'impôt sur le revenu locatif. Je me suis rendu compte que les DG de JACA est en train de fournir des efforts dans ce sens-là, Félicien Kouluta, mais il bute à des pressions politiques. Parce que vous savez que le gros de l'assiette au jour d'aujourd'hui sur l'impôt foncier tient de Gombe. Et donc Gombe ne paye pas. Je ne sais pas comment Alinghetti pouvait voir dans quelle mesure développer des synergies avec la DJK pour permettre à la ville de Kinshasa d'aller un peu plus loin dans le recouvrement de ses recettes qui sont importantes dans la maximisation des recettes dans la ville de Kinshasa. C'est vraiment un appel que je lui lance ici. Donc j'ai vu le travail de Félicien
Kouloutem, notamment la dimension de la télédéclaration. Okay. Je me dis que cette télédéclaration est appliquée dans, pour ses impôts le plus important, peut-être que ça va aider la ville. C'est un appel à Jules Alinguété. Mais déjà, chapeau pour merci. Le fonds intercepté. Le 2 millions de l'électrification de la ville de Kinshasa. Je comprends. Et puis chaque mois pour la ville de Kinshasa, pour l'électrification, ça va où? Les gens viennent intercepter ça, c'est rentré donc, ça, à la banque. Il faut aussi intercepter les 2 600 000 de l'assainissement. Les 2 600 000 dollars de l'assainissement. Non, les 2 600 000, non, les 2 600 000, mesdames, les 2 600 000, le problème, c'est que, ça je dois le regretter ainsi, quand le chef de l'État a fait le voyage des États-Unis à New York, c'est là que Jules Alinguété devient important, ou la même, parce qu'il y a des résultats à présenter. Mais à l'interne, ici, il fait l'objet de plusieurs pressions. Tu vois un peu, tu vois un peu Nicolas Kazadi céder à ce que déjà jette un coup d'œil dans les 2 650. Sinon, ça serait très simple. Il n'y a qu'à appeler les ONG là, exécutants du projet. Elles n'ont aucune viabilité. C'est des ONG improvisées qui n'ont jamais existé, qui n'ont jamais travaillé dans les secteurs. La convention elle-même dit avant de sortir de nouveaux fonds, il faut commencer par recevoir des justifications du précédent décaissement. Est-ce que Nicolas Kazadi a déjà demandé le moindre justificatif? Puisqu'on dit que des parents et même épouses sont impliqués. Et s'il y aurait une épouse qui reçoit 400 000 dollars avec son ONG, ben, je te l'ai dit. L'épouse de qui? On le dira un jour. Il est venu, il nous a menti ici que les Kenyans vont rentrer par Bounagana. Il a menti. Et à l'heure où nous parlons, les Kenyans sont au pays. Ils ne sont pas rentrés par Bounagana. Ils sont rentrés par Ishasha. Voilà le mensonge de Tshisekedi. Et là, les Kenyans ne viennent plus pour combattre. Ils viennent pour créer une zone tendue. Un président menteur qui ment à son peuple comme il respire. 4 ans de mensonges. C'est un menteur, le président de la République démocratique du Congo. Et depuis qu'il est là, c'est mensonge sur mensonge. Il a menti ici qu'il va transformer le Congo à l'Allemagne d'Afrique. Mensonge! Le Congo n'est même pas transformé en Lituanie d'Afrique. Même pas en Serbie d'Afrique. Même pas. Le Congo n'est même pas devenu le Kosovo d'Afrique. Même le Kosovo, non. Mais lui, il avait dit. Il a menti ici. Que nous, quand on va prendre les pouvoirs, il a dit aux policiers, nous, quand on va prendre les pouvoirs, le policier aura chacun une voiture et il va acheter une maison. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe dans notre police. Ils achètent les unités, les uniformes eux-mêmes. Regardez les bottines déchiquetées. Lui, il a transformé, il commence à mettre des Jimmy Weston. Mais regardez l'état de nos policiers. Un menteur, un autre mensonge. Il a dit quand il est venu ici que je vais mourir pour l'Est de la République. Je vais aller là-bas, je vais mourir. Mais l'Est de la République est aujourd'hui en pièces. Lui, il va à Marbella. Il n'est pas mort. Il a menti. Un menteur. Un menteur. Il a menti. Il a dit, aussi longtemps qu'il ne ramènera pas la paix dans l'Est de la République, il va considérer son mandat comme un échec. Mais aujourd'hui, on nous pose la question, il dit qu'il va se représenter. Quand on le pose, il dit, son bilan est positif. Il parle de la gratuité de l'enseignement, un échec patent. Il parle de la gratuité de la santé, un échec patent. Mais il oublie qu'il avait dit, aussi longtemps qu'il ne ramènera pas la paix dans l'Est de la République, c'est un échec. Au lieu de dire maintenant que j'ai échoué, il dit non, mon bilan est positif. Un menteur. En 4 ans, c'était un menteur professionnel. Professionnel, mes frères. Aujourd'hui, la situation sécuritaire est plus grave. Qu'est-ce que lui, il a trouvé? Il a menti. Il vient devant l'Assemblée, il dit, j'ai acheté 8 avions. Ces avions vont arriver en 2020. C'était en 2020, je crois. En 2021. Aujourd'hui, Congo Airways n'a plus d'avion. Nous commençons à aller louer des vieilles Caracas. J'ai vu un avion que nous avons pris au Soudan. Un menteur. Mensonge sur mensonge. Il a encore menti. Congo Airways n'a plus d'avion aujourd'hui et nous ne savons plus voyager. Mais il est à l'aise en train de se promener. Majunda, Fachibetom, Kwantombolo, Asoko, Majunda, Asoko Mata. Tout ce qu'il dit en Kata, mensonge sur mensonge, mensonge sur mensonge. Il est allé ici à Maluku, il a dit, j'ai trouvé la clé pour la faim, les gens n'auront plus faim. J'ai acheté des bateaux. Mensonge. Ils sont venus ici, ils ont dit non, vous allez acheter des poulets et des cartons de Piodi à 10 dollars. Poulet béton, Piodi béton. Menteur! Un grand menteur!
menteur, ce monsieur. Mensonge sur mensonge. Il a dit que la gratuité, aujourd'hui, il y a gratuité des soins de santé. D'abord, on a quel hôpital? Vous allez aller soigner les gens gratuitement dans quel hôpital? Qu'ils vous disent en 4 ans, en quoi a-t-il amélioré les conditions de soins? Il va aller soigner les gens gratuitement où? Un menteur. Ce monsieur ment comme il respire. Jouisseur, incompétent, voyageur, touriste, mensonge sur mensonge. Un menteur. Tozo na plateau na biso ya Reaco News penza to sa ba commentaire bino moboyo ki deja mai malobami famille ya opposant Jimmy Kitenge ba uta ki ko sala to pe ko adresser une lettre na patronne ya Monisco Bintou Keita na likambo ya état de santé ya mwana mboka to pe ya ndeko na bango ya mobali oyo azali emprisonné po na bango injustement na prison centrale ya Makala. Jojo Rotier la biso po to yo kapé malobama na mai malobami na kati ya video yango. La lettre adressée à la représentante de l'ONU à Kinshasa, la chief de la Monisco Bintou Keita, a été aussi adressée en copie à 35 autres personnalités de la RDC et du corps diplomatique accrédité en RDC, le président de la République, le Premier ministre, le ministre de la Justice, les ambassadeurs de l'Union européenne, de l'Union africaine et des États-Unis sont notamment sur cette liste. L'objet de cette lettre de 2 pages, signée par Freddy Banzalukavu au nom de la famille de Jimmy Kitenge, c'est la dénonciation de l'arrestation, jugée arbitraire de leur frère et secrétaire général à charge de la communication du PPRD. Tout en revenant sur les circonstances de la mise aux arrêts de Jimmy Kitenge depuis le 26 juillet 2022, Banzalukavu revient sur les conditions de détention de son frère dans les cachots des services de sécurité, révélant que Jimmy Kitenge aurait subi des actes de torture dans les cachots et que 10 jours après le transfert de son dossier au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, rien dans les conditions de traitement de Jimmy Kitenge n'avait changé, interdiction de visite ou d'accès aux soins appropriés demeure, et ce décrit le frère à Jimmy Kitenge, malgré l'établissement de 2 rapports médicaux inquiétants, signés d'abord par les médecins de la prison de Makala, mais aussi le rapport effectué sous la demande du substitut du procureur près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, dans lesquels rapport un diagnostic exhaustif est recommandé, tout comme un test de toxicologie, en vue d'écarter l'hypothèse d'un empoisonnement. Pour Banzalukavu, après plus de 2 mois de détention de Jimmy Kitenge, il est clair que le refus du procureur à la demande de liberté provisoire, introduite 2 fois, est politique. Il demande à la chief de la Monisco et à toutes les autorités hiérarchiques leur implication pour obtenir la libération de Jimmy Kitenge, à qui on accuse d'avoir tenu des propos outrageants contre les institutions et les autorités. Voilà, nous venons d'apprendre aussi, et ça, la bande de Koué Belépe, à un mouvement citoyen, Basoussou, au Bazana Aner, l'arrestation. Eko landana ebele na mboka na biso rebi démocratique du Congo ezali eloko moko o biso nyonso esengeli to dénoncer yango parce que eko ça la participer mawa c'est vrai soki o bakolo bate maloko eko tonda malamu penza maloko ingaka etonda penza aujourd'hui to ebi biso to yamba ba fils mukoko na ba plateau na biso ya Reaco News to yamba ba to ebele ya UDPS oyo ba loba mambi me makokaka penza pe kolongo banate kasi suite na yango boyebi boyebi tozali kokenda wapi to uti wapi to komi wapi pote to koma na esika eyebi so tozali Barnabé lelo oyo 2 ans et demi na prison centrale ya Makala nzokande peine na ezalaka ya 2 ans ndengo toyoka ki bandeko ya PPRD babwaka kimbela. Qu'est-ce qui se passe sur l'affaire ya ba maloko etonda soki maloko ekotonda esengela kande etonda lokwa bazura ba Vital Kamerhe esengela ki etonda lokwa bato lokwa oyo bakoyaka pona kopomola mosolo ya République. Nous avons suivi makambo ebele na mboka na biso. Papa Alain Bolodjo a kenda plus loin pour Nakoloba. Nakangi parenthèse, yali kambo yango, natala kinde konabiso, mopandisango Kaimba. Aimba ki en député, a opposé député wana motuna sur l'affaire, ya ba emolument na bango, ndenge oyo honorable Ados Ndombasi a dénoncé ki sur l'affaire ya 21 000 dollars. Alobi, Ayebi Ados Ndombasi.
Kota la ba député na biso, ozomo na penza ki esprit banda, l'esprit wenge. Bato ba susu, balongo banate, balongo banakate pote bakamba. Député oyazali na assemblée. Naninde akoya pote aya ko informé ba i Congo ba ibakolanda biso. Peuple congolais bakolela likambo ya intox ou ba fake news ou boy mais tango tozora makambo ya malonga te ba congolais bakosani moto na moto akomi ko créer ba information na na ndenge na kwa moto susu avandika na ndaku ne place za eloko kutu ezala ngote eloko pe salami na ota salika voice bande ko balandi awa penza bauti ko kanga mama moko ndenga zali awa papa yango azali boma abosanka bande na mama abosa nga bandai na papa après kei na mama après kei boy après oromona pe ba information pe ya bongo etamboli pe na ba réseaux sociaux yango wana to sala très attention. Nous sommes dans un pays où te na moyi mwalelo to tambolaka na ba permis de conduire oyo esi expira na chef de l'état na habite to mso za permis aux États-Unis to permis ya France to ya Belgique, to ya wapi. Likolo nango na mboka na biso oyo République démocratique du Congo. Ba sene nini te o toza ko vivre. Ba sene nini te. Ba politicien bino ba boza na opposition, bino ba boza en résistance. Tant ezate ya bo panzana, ya bo boza la concentré, bo sangana. Bozala liloba be moko pona intérêt ya peuple to yebi na biso ke bino banso bozala ka bobeleli bobeleli bobengi bana batu babi mana balabala bana batu pe babimi na balabala et après tango boyaka kozwa pouvoir bato bazara ba victime ya rabiso peuple yango wana tolobaki NON tolembi toko zela bino awa na ba vacances parlementaires ezalaki boni bazongaki na ba base na bango pote bakenda na bosolo lani badite boni basusu bakoma be kokabola ba manette ya miso basusu bakoma kokenda kokabola ba chaise roulante est-ce que wana musa na bino zando ya monene uto ekangama. Vous allez remarquer ce que les députés moko o akoloba mingi baye ba bengi yo kanga monoko na yo preuve ezali na yambaka ba député ebele o balobelaka ba makambu yango question o nazo kapasi pour acheter les palissades aux députés wana mbongo ezalaka disponible pour améliorer seulement la vie et salaire de nos soldats. Eux-mêmes peuvent combattre ba ennemi wana au baza ko bundisa mboka na biso. Pour notre pays, bande ko ebele na tuna ba mbongo oyo bakanga biso omona bakomi ko kanga ba chauffeur na ndela o vignette o boye mosolo wana esala nini na mboka na biso. Mokomzu na ke na aéroport eza na ba place moko boye oyo ba station ba sala soko ngoti ya motuka na okofuta 5000 francs mbongo wana ekenda wapi ba mbongo ba go pass wana ekenda wapi deux fois to vandaka autour ya makambo ya moko okotala makambo ekoleka na mboka na biso oko bela ti amona za so na vandi we mutu ekomo oswa dans les vides. Pas d'argent pour financer les opérations de la force régionale déployée à l'est de la République démocratique du Congo. Selon les médias Africa Intelligence, un problème d'argent se poserait pour financer les opérations. Sur les ondes de France 24, président Félix Antoine Tshilombo avait fait un appel aux donateurs, mais rien ne bouge jusqu'à là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu une vidéo de maman Mokoboué, infirme. Ba roulage bazo picola batterie ya mutuka nae. Awa zéro et pas voana na zo tuna ba mituka na nyoso ndenge zo kende. Ba mbongo wana o ba zéro et pas voana o yandela o stationnement eza ya mabe. Est-ce que bozo mona te ke mituka ezo koma ebele na Kinshasa?
bisika ya koti ya bamituka na biso boseli biso ba parking boni. C'est vraiment triste et décevant ce qui se passe dans notre pays, la RDC. Nzokande bao baza ko kamba biso esika motema ekomaka na suka. Sope motema bane komi na suka, tata zalaka wana pona kopesa eyano. Pourquoi biso tozora eyano te? Opposition nde moto ezali lelo yo et accéda na pouvoir. Tant que bavandaka, bamonaka esika ni kabila abomakate, bamonaka esika ni kabila zara kokokate, bamonaka esika ni makambo zara kotambola te, est-ce que bamonaka te? Honte à vous! N'a pas su au peuple congolais à Komona. Eza malamu ko critiquer pouvoir nangai kasi ma finga mabe. Mama Tatiana na finga raté mais na kote lango aner. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Elo konini. Ba des pères et des mères basali. Aujourd'hui, ensemble pour la République, il y a Moïse Katumbi. Pour eux, ne bazaboué, bako partager bilan na bangote na union sacrée. Honte à vous aussi. Binonion so bato union sacrée. Et comme Nemo na Franck Diongo, opposant, il y a Félix Antoine Tshilombo. Koka moi. Ce qui ba luki ba poste ba luki ba poste ba zuite ba komi ba opposant. C'est ça ma bé mboka na biso na sala ba éducation politique et belé ensemble na coach Henri Kassima. Nous avons eu le temps d'en parler. Tolobela, tolobela sur ba makamwana, ba comportement ya mabé ya ba politicien na biso na République démocratique du Congo. Tozalaki wapi, tokomi wapi, toko kinda wapi. Ce sont là de grandes questions. Oyo esengeli na moyi Kongo mani nyonso ami tout na pe. To manyola yango ensemble na bino. Ça fait très mal. Ce biso pende toza boye, nenge to vandara boye. Na makambo pe biso toza, nous avons aussi nos propres familles. Mais ce qui fait mal, ezalara nini, ezalara ke, omo nara batu moro boye. Bango anara ande bazozoa aide humanitaire aide nini soit e komi ba intérêt na bango moko bomona nde makam na embaka député moko alobi akolenga ba député o baza na assemblée nationale ba lengela bango be parce que so meki to zonga pa kabila wana bokambia ndenge nini yango wana peut-être on sous présent fait ça koluka deuxième mandat pote ya benga na ba wana nyoso ba nyokolie na ba palissade ba nyokolie na ba nini ah Congo Ya mona o mituna tokei wapi to komi wapi nungu nungu siko e komi entre Augustin Kabuya ye pa ke ya lobby Zakari Bababa se pa ye ka lobby na fimbo e bela kendara na ona parlement sala e loroti o sala e loroti o sala e loroti pona batu mo bazala so mutu mo azoli ya mwambongo alingi te ba denoncer alingi te ba sala bwe non nous dénonçons. Parce que c'est nos familles, c'est nos frères, c'est nous, vos enfants étudient en Europe. Et si vous avez respecté les droits, il y a moto. Les devoirs, ils sont à travers les bateaux, ils sont en train de se faire. Ils sont en train de se Eza ba mikolo misato eleki a ba rebel Ugande ba ataka ki village ya Mayuano na route ya Mambasa komanda na Ituri. Silence radio na par ya bayi bazali kokamba biso n'est-ce pas? Obe na papa Alain Bolodjo lo baramboka ya pese lengi. Nous voilà arrivés pratiquement à la fin de notre émission éducation politique à Mokolo à Lelo. Na lingara bino tellement mingi, mais on continue na bino prochainement parce que Lelo naza obligé ya kosuka awa. Merci à mon coach Henri Kassima Fred Ed, Mikandeke, Jojo Komingo, ingénieur Eric Lokole.
Merci Najina Mateta, papa social. Merci également à maman Emeline Zemba, à tous Pepele Ambeto, le maman Liki Lemba, dans le Baki. Non, Kendota la ba vieillard, merci Nabato Nyonso Bazaba héros dans l'ombre. Oh bozo sungabiso pour que to kendekota la bateau bazali bato ya pasi nzambe apambola bino, bisika bison ezwami bino, bozali kolanda biso, na ba etando eke ya bino. Na pesi lisusu merci. Na bande konyonso ceci le sang ou la confiance du chef Serge Katembo pour na bilamba ya ba orphelin na pesio vraiment merci et komaki tozwa ki yango nzambe apambola yo apambola pe molongani na yo Serge Katembo ya lolita wa ku ya Nestor Dibala na zozela biloko ya ba orphelin o monyoza bilamba moya joli mayala bilamba mo monyoza la ranango olongo ya mimi la ifeta deja atiela ki biso carton. Il y a biloko poto kende kota la bavia pour baibisi sote ekoya dans 2 semaines tozo zela yango merci na LKM service vraiment pour na makambo na manson to pesi bino merci yango na beleli bino ebele boera uchara biloko na bino ming ming epa ya mimi la ifeta parce que zali agence ya sûr merci na bino. Merci Nabandeko Balandi, Félicien Owanja, Napesio Pembote, Esika Ezoami Ozali Koyandabiso depuis Dallas, je vous aime beaucoup. Mbote na papa Maxwell Mandoudi depuis Dallas, Tolingi Bino, Troko ba toujours Kolinga Bino. Bonne suite de programme sur Réaco News, la chaîne qui vous informe en temps réel. Balobaka. L'église et la presse sont au milieu du village, mais la voix de Tatiana lutte contre l'inversion de valeurs. Vous dites que l'église est le corps du Christ, Christ est vérité, alors l'église et la presse sont dans la vérité. Toi, la tante, oh, ça qui plein, na est, ça, bossa, ba plein, la binonde, bolingi, binonyonso. Zano candidat, de bolingi, ba peki si binote. Mais bourzoate. N'a pas si au Congolais au monde. Bourzoate. Nous avons besoin d'une nouvelle classe politique aussi. Tout ça peut battre. Toi, battre. Ah, je ne sais pas comme le roi n'est pas un roi, il y a un bino. Il y a un moboutou. Il y a un soubaz, il y a un casse. Ah non. Comme le roi, papa, Kengo. Ah, t'es. Je ne sais pas, pardon. Hein? Merci, Mika, tout ça ici. Réaco News, vous informer, c'est notre devoir. Réaco News, la chaîne qui vous informe à temps réel.